Allez les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Euro Truck Simulator 2 pour le 12e épisode de cette carrière suivie. Donc voilà. Alors, j'ai hésité avec vous entre en prendre quel camion et puis quelle marque. Donc je commence là parce qu'on a fait l'autre. On a fini l'autre à l'épisode précédent. Donc c'est vrai que j'hésite à prendre quel. Soit un petit Iveco. Mais alors un petit Iveco, un petit trajet, 4 heures. Alors on va partir sur un Iveco les amis. Faut juste que je trouve un petit trajet. Bon, Dijon-Genève on a déjà fait, donc on va prendre un Iveco. On va prendre... On n'a jamais roulé en Renault. On va partir sur un petit Renault. Mais alors lequel Renault? Alors ces Renault là je les aime pas du tout, ils sont pas très beaux les Renault Magnum. Les Renault Premium ça peut aller. Alors on a fait que la France pour l'instant. Alors là on partirait en Belgique. Oui. Bon. Là c'est... non. Bon on va pas partir sur deux Renault parce qu'on a déjà tout fait en Renault. Faire quoi, Majestic j'aime pas du tout. Ouais, man. Alors man, bon allez on va aller en Suisse les amis. Il dure combien de temps? Oh bah pas longtemps en plus. Allez hop, on part en Suisse. Allez hop, c'est parti les amis, on va en Suisse. Allez hop, voilà, go go la Suisse. Êtes prêts à nous recevoir? Non, je... ouais, donc go la Suisse. Voilà tout ça, donc on va en Suisse, on n'a jamais fait en plus. Donc pour ce 12e épisode, ça serait pas mal. Alors, on va être avec un man. On transporte, bah, je sais même pas ce que j'ai vu qu'on se transporte. Bah tant pis, c'est pas grave, au pire. C'est pas le souci. Moi c'est... Oula, oulala. Alors, on va voir ce qu'on transporte. Alors... F6. Alors, on transporte du sable 25 tonnes. Ah oui, donc oh là là, je vais pas trop. 25 tonnes. À la destination Zur, donc en Suisse, à l'entrepôt DB. Donc là, je suis un peu au fou, j'y aille. DB, Schanker. C'est notre mercredi, 2h49, mercredi, 9h30. Peut-être mettre les feux. Mettre les feux au cas où. Revenu de la mission 2706, c'est normal, j'ai pris un petit trajet. Prochaine coupure dans 10h58, ok. Et maintenant, je voudrais faire la fiche technique du véhicule, du camion. Là. Alors, c'est un modèle TGX, châssis 4x2, 15 seuls essieux, cabine XXL. Cabine XXL, volant côté gauche, puissance du moteur 400 chevaux. Ouais, avec les 25 tonnes, on risque de les sentir. Et puissance du moteur 400 chevaux, couple moteur, donc voilà. Donc ouais, on risque de les sentir un petit peu. Donc les réparations je couvre pas. Hein. Bah, c'est ça qui est bien. Quand on est simple chauffeur, bah tout est couvert pour tout est couvert bah, par comment dire. Tout est couvert par notre employeur. Découvert par notre employeur, donc le péage, tout ça. Donc on va perdre pas trop de temps, surtout que j'ai pris un petit trajet. Je voudrais le faire en un seul épisode. Alors cet épisode là, je sais pas s'il va être pour le week-end ou pas, comme je fais mes vidéos en avance. Donc je sais pas si cet épisode là va être pour... Alors est-ce qu'il y a un GPS là-dedans? Non. Oh là là. Oh là là, c'est pas possible. Alors je crois... Ah oui, si, faut que je passe là. Ah, j'aime pas du tout cet entrepôt là en plus. On risque de les sentir un peu les amis, hein, les 25 tonnes. Ouais.
Il aurait pu nous donner au moins 750 chevaux quand même. Attendez. C'est pas grave. On va pas trop faire les difficiles avec eux. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, on y go. Des petits traits. Des petits bulldozers. Des pelleteuses. Sur le côté. Donc voilà. C'est ça qui est bien quand on est simple chauffeur. En plus, il n'y a pas besoin de faire notre coupure. Voilà, vous voyez. Là, on était à 6h et des brouettes dans le précédent épisode. Et puis là, on est à 10h55. Hop, nickel. Donc, en restant 16h48. Et dans 2h54, on est arrivé. Donc, normalement, en un épisode, tout est fait. Hein. Donc, je vais peut-être dépasser parce que je sais pas trop si bah, ça va être pour le week-end ou pour la semaine. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'il galère un petit peu, qu'il patine un petit peu le coco, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr, il nous donne du 25 tonnes hein, pour 400 chevaux, mais bon. Va pas trop faire les difficiles non plus. Mais bon, il pourrait nous dire. Donc je pense là, bah, Minecraft, ça va être pour ce week-end. Je vais préparer cet épisode d'une demi-heure. Donc celle-là, je pense que je vais l'upload vendredi, donc ouais. Donc vous saurez que demain il y aura ouais demain il y aura un épisode d'une demi-heure de Minecraft, voilà. Voilà. Le gros épisode d'une demi-heure, les amis. Il va arriver une demi-heure de Minecraft non-stop. Bon, c'est pas énorme, hein. Une demi-heure, c'est vite fait, hein. Ça fait 20 minutes plus 10 minutes, c'est vite fait, hein. Ouh là là. On fait se bouffer le poteau. Nickel. Hop, on y go. Me trompe. Pourquoi je me trompe avec les touches de farming? C'est ça que je comprends pas. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Vous voyez que les camions, les bennes, ils sont plus petites que les semi-remorques. Hein. Largement. Et bon, le sable, bah, c'est très très lourd. Hein. 25 tonnes de sable, franchement. Ah si, le man il pousse quand même, le man. Ah oui. Ah oui, pour un 400 chevaux, il y va quand même. Donc normalement, je peux aller à 200 km/h. Enfin, je sais pas trop si ça marche. Normalement, oui. Ah oui, les go là. Oula. Que je me prenne pas les roches. Et que je... Voilà. Ah oui, là, il est en manche, hein. Donc là c'est que du chemin, donc voilà. Donc là c'est tout droit. Nickel. Donc normalement là il va y aller en ligne droite, hein. Il devrait pas y avoir de soucis. Alors quoi, tu peux y aller jusqu'à combien là? Mais oui, tu peux le faire, allez. Alors, je vous invite à aller voir ma page Facebook QAZ89 espace gameplay espace YouTube. Je vous invite à aller là, à liker. Pour toutes les informations en temps réel sur ah bah sur en temps réel sur ah bah sur la chaîne, oh là là, n'importe quoi moi, des trous de mémoire de rien du tout que j'ai. Ah là là, c'est pas grave les amis, je voudrais faire des épisodes un peu plus courts, mais bon, c'est vrai que sur Rotrock c'est pas commode quoi, avec les missions et tout, donc c'est vrai que c'est pas commode. Donc c'est vrai que je vais plus prendre de longues distances. Je prends des frais de grande valeur, des trucs comme ça. Ça va être des trucs. Ça va être des distances bah, courtes et qui vont rapporter puisque ça va être des trucs fragiles. Donc elle âme double. Ah, elle est sérieuse, âme double. Eh ben non, âme double après. Parce que je lui ai fait peur. Eh non, tu me doubles pas. Eh non. Et un cocotte, tu me doubleras pas. C'est comme ça, c'est la vie. Donc là, on va essayer de pas abîmer notre remorque comme à l'épisode précédent. C'est vrai que j'avais peur là de me retaper. Donc là, on va y aller tranquille, les amis. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps. Moins 5 minutes, l'épisode précédent, à garer cette remorque là. Excellent un peu quand même, c'est pas grave.
On va pas perdre trop de temps. Oh là là, d'accord, le camion se retourne de quoi? Et ainsi. Eh oui, allez, 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 hop. Voilà. Camus se retourne de quoi? Ah, mais j'aurai le bug de la cabine maintenant. Oh là 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 là. Vous me voyez le bug de la cabine, hein? C'est le bug de la cabine du Realistic Physique Mode, les amis. Et oui. Et puis en plus, je vais être obligé de faire un dégât. Pire, ce que je vais faire. Je vais taper les temps. Voilà, normalement, ça devrait passer là. Le bug. Le bug. Oh là là. Oh bah voilà. J'espère que c'est pas la remorque. Hein. Je veux tout sauf la remorque. Non, c'est bon. C'est la cabine. C'est pas grave. Allez hop. Allez là, avance quand même, hein, parce que on va s'endormir. Bon, c'est bon, ça va être pour un vendredi, cette vidéo. Le vendredi soir, vous avez le temps. Bah voilà. En général, le vendredi soir, on est kaput. Enfin, ceux qui sont en vacances comme moi, ça va. Mais bon, les autres, ils sont kaput. Ceux qui sont en cours ou ceux qui bossent, bah... vendredi soir, ils sont kaput, hein. Ils sont contents qu'est-ce qu'il y a. Le week-end, mais sous capote aussi. Hein. Surtout qu'il va en avoir plein qui vont être en vacances. Demain soir. Donc c'est nickel. Stuttgart. Oula. Oula, oula. Oh, puis si on se tape que de la nationale, ça va être beau tout ça. On va pas rouler du tout. Au pire, ce sera tant mieux. Pourquoi on passe par Dijon là? Oh là là. C'est quoi ce GPS? Lala. On dit que les GPS, bah, ça nous fait aller n'importe où, bah, on voit ce que ça fait sur un truc, hein. Normalement, on passe par Genève, et puis voilà. Non, non, je crois même pas. Je crois, enfin, direct un tout droit dans la Suisse. Lala. Il fait peur, ce jeu. Donc faudrait que je mette de la musique aussi. Après j'ai peur que j'ai les droits d'auteur aussi. Si je mets de la musique. Ouais. Donc après si j'ai trop peur, faudra que je trouve des remix. Des petits remix. Et voilà, le bug de la cabine. Non même pas. Oh attention. La remorque elle a pas touché. Oh 1%. Oh là là. C'est pas possible, c'est pas possible. Oh là 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 là, les amis, c'est pas possible. Ah, comment je me suis débrouillé. Et maintenant, ah bah, ah bah, ah bah, c'est beau ce que je viens de faire. Ouais. Ben au pire ce qu'on va faire, on a le temps de toute façon. Attendez. F6. Oui, on a. Ouais, donc ce qu'on va faire, on va faire F7. On va faire ça. Donc ce qu'on va faire, cette mission sera divisée en deux épisodes à cause de ce contretemps. Désolé, vous m'excuserez, mais bon, pas fait exprès. Hein. Le camion patine, c'est-à-dire dès que le camion penche, les 25 tonnes ils se mettent à pencher, boum, il n'y a plus de camion. C'est vrai que c'est un peu kiki, non, ça. Ce qu'on va faire, on va en profiter pour réparer ce petit camion. De toute façon, c'est même pas moi qui paye, alors autant en profiter, les amis. Donc c'est même pas dit de ma mission, donc c'est une queue. Ah bah du coup j'ai découvert Berne, ah bah d'accord. Attendez les amis. Ah bah. Attendez les amis.
fallait pas faire Strasbourg-Zurich. C'est-à-dire que là, je vais juste être arrivé bientôt, hein, les amis. Hein. Dans 2 petites minutes, j'y suis. Donc, ça va être nickel, tout ça. On va réparer ce petit camion. Voilà. Ils ont intérêt d'être couverts parce que j'ai pas de sous, moi. Hein. Moi, pas de sous. Non, je dois en avoir un petit peu. Oui, j'ai 15 000 euros. Vous voyez, les amis. C'est nickel. Donc, on peut éteindre les phares maintenant. Et puis, donc, voilà. Donc, c'est vrai que je tourne. Les 15 tonnes, ils se mettent à pencher. Et puis, c'est foutu, les amis. C'est même plus la peine. Donc, là, le GPS, il a intérêt de se générer. Parce que moi, je sais pas du tout où il faut passer. Bah, super. Ah, bah. Ah, si, ça y est. Alors, heureusement que je suis là parce que. Heureusement que je savais à peu près où passer parce que sinon. Plouf! Je savais pas où fallait passer. Bon, 1h42 normalement en 5 minutes c'est fait. Enfin, j'espère. Oh. Au pire, c'est un vendredi soir. On va dépasser un petit peu, les amis. C'est pas la mort. Ça va être pour un vendredi. Donc. Ça va y aller. Nickel. Lui, il a intérêt de se dépêcher. Quand c'est ouvert, je commence à klaxonner pour le temps qu'il comprenne. Allez. Oh, mais alors, le man, faudrait peut-être que tu t'actives aussi. Mais il faut pas passer à la vitesse tout de suite. Faut pas passer à la vitesse en plein quand tu accélères quand même. Non, si, il faut la passer à la vitesse. Mais il passe ta vitesse quand il faut se dépêcher, lui. Là où ils ont intérêt de dépasser au vert parce que. Oh oui, c'est nickel. Oh oui, allez. Allez, le man. Allez, on y croit. Allez, oh là là. Puis alors, ils accélèrent pas. Allez, là, les amis. Allez, oh les cocos, là. Oh là là. Et je vais te pousser, toi, le bus. Hein. Oh non. Oh non. Oh my god. Oh my god. Oh là là. Je suis nul en anglais. Hein. Je vous le dis tout de suite, mais bon. On va faire un peu d'anglais. Pendant la vidéo, bah d'accord, on va mettre le mute en lui. Ah, si. Ah bah, au revoir. Bien, tu grilles le feu rouge. Non, mais attends. D'où on voit ça dans Retro Simulator 2. Ah bah, c'est du beau accident direct, les amis. Tiens, on va klaxonner. Même fait des appels de phare. Ah bah, c'est du beau. Les amis. Ah là là, accident direct. Ah, c'est pas possible. Bah, tiens, vous pouvez voir. Rétroviseur gauche que l'accident en direct. Allez, on y go là. On perd plus de temps maintenant parce que c'est bon. Donc, ça on peut l'acheter, mais on va pas acheter tout de suite. Hop. Surtout que j'ai pas de sous, 15 451 euros. Voilà quoi. Bon, bah ça fait déjà 17 minutes qu'on tourne. Hein. Et ouais. Bah 80, bah bien sûr, bah je crierai. Oh, bah, il est même pas encore arrivé à 80. Ah là, il peut me mettre 110 hein, s'ils veulent. Hein. Il peut me mettre 50. Ah non. Ah, quoique, il va peut-être y arriver. Attention. Là, on va tourner tout doucement. Pas que les 25 tonnes y penchent. Voilà. Non, non. Oh non. Du coup, il est tombé sur le trottoir. Nickel, les amis. Non, non, mais sérieusement, quoi. Oh là 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 là. C'est la galère. Alors. Oh là là. Il est pur démarre. Et... Ah, il redémarre en 7ème. Hein. Ah, il passe les vitesses, hein. J'ai mis la boîte auto. Hein. On va pas avoir de volant. Hein. Le pire, ce que j'ai fait, mettre l'effet de détresse. Et qu'il y a eu pour les gens. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et il se met à démarrer. Il passe les vitesses, mais. Ah, bah voilà. Je sais pas, il avait un problème. Alors. Eh, hey, tu crées un bouchon là. Bah alors.
Abugation. Bah, les amis, je vous propose qu'on s'arrête là. On va s'arrêter là. Je sais pas ce qu'il a là. D'un coup, il se met en mode bugué, le petit man. Donc, on va mettre l'effet de détresse. Et puis voilà. Donc, il se met en mode bugué, le petit man. Je sais pas ce qu'il a. Des fois, faut pas chercher à comprendre les camions sur ETS2. Donc, moi, les amis, je vous dis à la prochaine. Malgré qu'on n'a pas fait grand chose sur cet épisode, mais il a, je pense qu'il a là, le camion il bug. Moi c'est pas. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit jet. Lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la page Facebook. Lâchez-vous dans les commentaires. Moi ça me fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine.